Les aurores boréales sont parmi les spectacles célestes les plus majestueux. Elles s'accompagnent parfois d'un autre phénomène atmosphérique plus mystérieux, un long ruban violet et blanc. Observé par les amateurs d'aurores depuis des années, ce phénomène, nommé Steve, est maintenant scruté par les scientifiques. Voici Steve, un long ruban violet et blanc qui s'invite parfois au bal nocturne des aurores. Un phénomène atmosphérique mystérieux que les amateurs observent depuis des années. Mais les scientifiques, eux, le découvrent à peine et tentent maintenant de l'expliquer. L'histoire commence en 2016. Neil Zeller, un photographe passionné d'aurores boréales, montre à des astrophysiciens de l'Université de Calgary l'image d'un arc de cercle violet observé dans le ciel du sud de la province. Il croit qu'il s'agit d'une autre sorte d'aurore, plus rare, un arc de protons. Impossible, répondent les chercheurs. Les arcs de protons sont invisibles à l'œil nu. S'agirait-il alors d'un nouveau type d'aurore boréale? Pour le savoir, il faut d'abord rappeler ce qu'est une aurore. Ce phénomène débute à la surface du Soleil. Notre étoile émet du plasma, un gaz formé de particules électrisées. Ce vent solaire se dirige vers la Terre et interfère avec les lignes du champ magnétique terrestre qui changent de forme. Les lignes s'étirent, puis se brisent. Des ions et des électrons sont alors précipités vers la Terre. Ils entrent en collision avec les gaz de la haute atmosphère et libèrent leur énergie sous forme de lumière. Le ciel s'embrase alors au pôle. Des protons émis par le Soleil peuvent aussi provoquer des aurores, mais celles-ci sont invisibles à l'œil nu. Alors, quel est le lien entre l'énigmatique ruban et ces phénomènes? En attendant d'avoir la réponse, les chasseurs d'aurores réunis sur Internet l'ont baptisé Steve. Une référence à un film d'animation où des animaux sauvages découvrent le monde des humains sous la forme d'une haie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Violette, non! Ça me ferait moins peur si je savais comment ça s'appelle. On n'a qu'à l'appeler Steve. Steve? C'est beau comme l'eau, hein? Il n'y a qu'un moyen de comprendre ce que c'est que cette chose et de savoir de quoi il s'agit. Observation. Steve fait une vingtaine de kilomètres de large. Il s'accompagne parfois de traits verts qui rappellent une clôture. Il s'allonge sur plusieurs milliers de kilomètres à des latitudes plus près de l'équateur que celles où on voit habituellement les aurores. Ces apparitions sont de courte durée et se produisent peu de temps après le début d'aurores particulièrement intenses. Pour en savoir plus, des chercheurs canadiens et américains se sont basés sur des images de Steve prises en 2016 par un adepte d'aurores de la Saskatchewan. Celles-ci leur ont permis de retrouver le phénomène parmi les données fournies par des caméras au sol et des satellites. À deux reprises, ils ont pu analyser le phénomène en détail quand des satellites ont croisé Steve. Leur conclusion, Steve n'est pas une aurore. Les ions qui le constituent se déplacent à l'horizontale et non sous forme de précipitation vers la Terre comme dans une aurore. Ce flux d'ions est hors du commun. Il se déplace d'est en ouest à plus de 6 km à la seconde et atteint des températures de près de 5800 degrés Celsius, des températures semblables à celles qu'on retrouve à la surface du Soleil. Les chercheurs concluent que Steve pourrait être une version plus intense et exceptionnellement visible d'un phénomène déjà connu appelé dérive ionique subaurorale. Associé aux aurores, il se forme dans la haute atmosphère sans qu'on comprenne encore comment.
En attendant, ces découvertes ont permis à Steve de conserver son nom, devenu en anglais un acronyme lié à ses propriétés exceptionnelles, qu'on pourrait traduire par « augmentation de vitesse de forte émission thermique ». En plus de son étonnant ballet nocturne, Steve révèle un autre phénomène important. La collaboration parfois lumineuse entre amateurs et scientifiques.